Bonsoir. Je vois d'ici les puristes de la Burst s'étouffer en avalant leur album de John Mayall and the Bluesbreakers. N'en déplaise à certains, voici une Les Paul. Il s'agit de la Les Paul GT, GT, pour Gran Turismo ou Grand Touring, je ne sais pas lequel de ces deux appellations en rapport avec la course automobile est la bonne. Personnellement, je conduis une Auris hybride blanche et abîmée. Voilà, donc je n'y connais absolument rien en bagnole, mais donc c'est une appellation en rapport avec la bagnole, ne pas confondre avec GT qui peut vouloir dire Gold Top pour d'autres modèles. Gibson a toujours semé le trouble dans ses appellations, mais là donc c'est bien une Les Paul automobile, en ça qu'elle est fine, elle est racée, elle va vite, elle est moderne. C'est une Les Paul légèrement modernisée, mais dans ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout gâché pour autant. Il y a là un look absolument génial, plus métallique que la Les Paul d'origine. On a donc des repères de touches métalliques, on a les boutons qui sont un peu façon chrome knob de Telecaster, dont deux push-pull, voilà, sur les tonalités, j'ai failli les chercher. Deux splits donc pour les deux micros doubles qui sont des 498 et 490. La configuration classique de chez Gibson, le sélecteur de micro là encore chromé, les tours de micro chromés, bref c'est la fête du chrome, le scié en graphite, les mécaniques Grover, ça tombe bien, on le faisait déjà nous-mêmes mais là ils les ont changés pour nous, les plaques arrière là encore chromées, et puis le petit détail de finition assez génial mais que n'apprécieront que ceux qui ont une très bonne vue en vidéo ou en photo, c'est les flammes secrètes sur la finition. Donc on croirait qu'elle est noire, unie, genre la panthère noire. Et en fait, quand on regarde bien sous une certaine lumière, il y a des flammes qui ressortent, comme une finition discrète de hot rod, un peu, si vous voulez. Oui, je sais que j'ai utilisé discrète et hot rod dans la même phrase. Je suis distrait par ma tentative de vous faire voir les flammes. En tout cas, pas besoin de la mettre dans tous les sens pour vous faire voir les flammes sonores qui sortent des deux humbuckers. C'est une Les Paul taillée pour le gros rock, la vitesse et les gens qui considèrent que l'évolution de la guitare ne s'arrête pas en 1958. Thank you.